What's up dans l'internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de la cellule Nécodré qui va pas parler parce que son micro il est beaucoup trop tard et à moi tu veux dire bonjour. Non, on veut pas dire bonjour. Ah si! En gros, il est vraiment tard, les amis, on est le 1er janvier. J'espère que vous avez tous passé un merveilleux joyeux temps des fêtes. Donc oui, je tourne la vidéo pendant la nuit, c'est bien entendu parce que je vais fêter aujourd'hui. Moi, je fête pas le 31, je fête le 1er chez moi. Donc je pourrais peut-être pas être sur le PC, vu que c'est justement ça se passe chez moi. So, j'ai décidé de faire l'épisode aujourd'hui. Et puis j'ai décidé de vous faire un petit épisode, dans le fond, spécial. So, je vais mettre le commentaire du jour à la fin de la vidéo, comme j'ai fait la dernière fois, parce que la dernière séquence va se passer peut-être un peu plus tard dans la journée. Vu que là, en ce moment, je vais juste en fond vous montrer que je fais une base. Oui, je me suis give un beacon, les amis, c'est juste parce que je suis toute seule, puis on peut pas être 1 million de personnes à creuser la base. Donc moi et Audrey, là, qui creuse, mais Audrey est pas censée jouer normalement. Elle fait juste m'aider, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, vu qu'il y a encore aucun joueur dans ma faction. Et puis c'est justement, je vais essayer d'avancer le plus possible le let's play pour pas qu'on soit tout le temps pris à la même au même endroit. So, c'est essentiel de faire la base jusqu'à la bedrock, jusqu'en ce moment. So, rendu à la bedrock, je sais pas si on va trouver des grottes entre temps, c'est sûr que ça l'aiderait beaucoup parce que ça nous enlèverait beaucoup de minage. Mais sinon, puis on va descendre jusqu'à la bedrock. Après, on va monter de 32 blocs, je crois. On va faire la base à cette hauteur-là. Et puis, on va ensuite faire certains trucs. Vous allez voir, on va faire des murs entre chaque truc. On va faire une base vraiment assez chill. Vous allez voir. So, il faudra faire... on va faire le cube en plein milieu, enfin vous allez comprendre quand on va être rendu là. Faut pas sortir des limites si t'es capable. Moi j'ai pas de pelle, la mienne est cassée, so tu utiliseras ta pelle pour casser les trucs. So, c'est la pioche qu'Exodia m'avait donnée, efficacité 5 c'est le touch 1 et U3 si vous vous souvenez dans le dernier épisode. So voilà les amis, c'est pas mal ce qu'on va faire aujourd'hui. So, j'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël et un temps des fêtes extraordinaire, nouvelle année, etc. Un réveillon, bref, tout ce que vous voulez. Moi, je lui souhaite la bienvenue. Bienvenue. Et puis, j'espère que vous avez vu tout ce que vous voulez pour Noël. J'espère que vous allez vraiment avoir passé un excellent temps avec votre famille. C'est super, super important les amis. La famille, n'oubliez jamais que c'est ça. Ils sont toujours là pour vous. Et dans 99,9% des cas. Et puis voilà, voilà. Ou sinon, ben, vous pouvez compter sur une Audrey, là. Une amie du tonnerre, là. Non, ok. Ok, c'est bon. D'accord, Audrey, je vois ce que tu veux dire. Donc ouais, moi, mes résolutions, je les ai peut-être déjà dit. Mais pour YouTube, les amis, c'est d'avoir les 20 000, 25 000 abonnés avant la fin de l'année prochaine. Pourquoi? Pour avoir les Pikmin Burst sur Epicube. Et puis aussi, ben, pour que j'espère que ma chaîne va pouvoir continuer à se développer. Aussi de m'améliorer au PVP parce que je suis pas tellement bon. Et puis niveau CSGO, ben, c'est de se rendre global, c'est de me rendre global élite. Mais aussi pas juste global élite, mais de monter mon efficacité sur mon RWS sur Yessier à plus de 15. J'étais à 12 en ce moment je crois. Donc ouais, je voudrais le monter en haut de 15, c'est quand même assez difficile de faire ça. Et puis sur CVO, je voudrais passer mon efficacité au-dessus de 15 aussi. Donc voilà, c'est des buts que j'ai. On verra si je vais être capable de les atteindre. Ensuite avec le serveur, bon il n'y a pas vraiment de but les amis hein. Je veux dire, on a déjà atteint les 400 connectés, 416 je crois. On peut voir avec le max player. Si vous, les gens qui ont des serveurs Minecraft, ils connaissent ça, c'est genre vous pouvez faire des trucs là, comme ça, genre entre brackets comme ça, max player all comme ça genre, quelque chose comme ça, puis vous pouvez voir le nombre de connectés qu'il y a eu au total sur le serveur. C'est ce que j'ai fait dans un holographic display au hub que je vais vous montrer vite fait. Je vais aller le montrer en gros. Donc maintenant, ouais, nouveau jump disponible. Bon, il est pas nouveau, mais c'est un jump disponible, bienvenue sur la Faction Z. Donc le record, ouais, c'est ça. Le record de connecté sur, en gros, le max player. Si on dépasse les 412, ça va monter. Genre, par exemple, je vous donne un exemple tout con. Un jour, on fait 415, ben ça va marquer 415 là. Mais je pense pas qu'on va réussir à le faire, mais peut-être à la sortie du faction contre faction, on sait pas. Puis là, ici, total sur le iNetwork, ben c'est tous les serveurs. Parce que ici et ici, il y aura d'autres serveurs dans le futur, ça voilà. Je trouve ça plutôt intéressant, plutôt sympathique. Ça. Moi, ça me fait plaisir. En ce moment, il y a des petits problèmes de TS, ouais, comme Audrey vient de dire sur le serveur. Il y a des petits problèmes de TS, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. On va essayer de régler ça. Il y a certains petits problèmes avec le serveur. Donc, les clés à spawner, ils ont des petits bugs. Tous les nouveaux plugins, ils ont des petits bugs, en fait, à cause des changements d'heure, en fait. Ben, pas nécessairement des changements d'heure, mais... Enfin, le nouvel an et tout, ça a fucké un peu tout plein de trucs. Donc, on doit essayer de régler tout ça. Là on va essayer de régler tout ça le plus tôt possible. Donc dans le plugin faction il y a un petit problème, la TNT explose pas dans les claims. Ça va être corrigé le plus tôt, genre après que j'ai fini cette vidéo là je fais ça. Il y aura aussi comment ça s'appelle le truc, oh putain, le iMod qui est encore buggé. Non, le iMod est corrigé ou pas Audrey?
Genre quand on banne une personne, ça la banne-tu définitivement? Je crois, ouais, je crois que la mode a été corrigée. Il reste aussi le Ice Spawner, dans le fond, ouais, il y a un petit problème de... J'ai aucune idée c'est quoi le problème. Faudrait voir avec le développeur. Le plugin marchait super bien, et puis là, d'un coup, boum, il marche plus trop. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En gros, quand on give un spawner, ben, et on le pose ou on le récupère, et c'est tout des spawners à cochon, puis on dirait qu'il oublie qu'il y a... qu'est-ce qu'il y a le mobilier déjà. Donc si vous avez des spawners, essayez de pas les poser maintenant les amis, sinon vous allez juste pouvoir avoir un spawner de cochon, puis c'est pas vraiment intéressant d'avoir un spawner de cochon non. So, voilà. Ouais, comme j'ai dit, on s'est give un beacon. Bon, je pense pas que ça va déranger tellement, parce que bon, vous dans vos factions, vous êtes la plupart, vous êtes environ 10-15, ben nous on est genre aucun. So voilà. Je vais miner encore avec Audrey, on va se rendre jusqu'à la bedrock, puis on va vous prendre rendu là-bas. Il nous en reste vraiment pas beaucoup à faire. Tu peux checker les coordonnées et dire à quelle couche qu'on est. Juste la couche, hein, pas les coordonnées exactes. Parce que si moi je le fais, ben ça va être con un peu de... Tout le monde va pouvoir voir. On est à la couche 37, sauf qu'il faut descendre encore un petit peu. Soit on se retrouve après quand c'est creusé, les amis, tout de suite. La pierre que j'ai ramassée, on fait tout les couches, non. Attends deux secondes, les gars, je vais juste réparer ma pioche qui est un peu pétée, elle est à zéro d'utilisation. Comme vous voyez, zéro d'utilisation. Ah, je peux t'en donner une autre. Non, t'inquiète, j'ai... Bon, attends, moi, je vais piquer ma main. Je vais réparer la mienne, là. Je suis à 700 blocs que je peux encore casser, perso. Je suis pas toi, là. Moi, il faut que je vide ma marde. Ok, vide-la pas sur moi, s'il te plaît. Ce serait bien gentil. Non, je la vide dans le coffre. Cassif, parce que moi, je suis une bitch. Tu mets où? Je le mets dans l'espace où il y a personne d'autre pour aller chercher. Oh shit, y'a une grotte. Ça peut avancer plus vite. Ah non, elle est pas sur le côté. Elle est pas à bonne place la grotte. Par exemple, ici on a plus le H, je crois, bientôt. Fait qu'il faudra que toi tu descendes le bacon un peu plus bas. Oh, c'est fini. Non, je te niaise pas. Puis il faudra que tu utilises ta pelle pour casser tout ça. Donc on se retrouve un peu plus tard les gars. Yo les amis, je vais remonter dans le fond un petit peu parce que comme je vous ai vu, on a fait une petite erreur. En fait, il manque des blocs jusque là à là. En gros, ouais, on a presque terminé, il nous reste, comme j'ai dit, juste le mur à refaire, et puis on devrait être correct, on devrait avoir fini. So, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un épisode spécial base, et puis on va avoir besoin de l'obsidienne, dans le fond, dans les prochains épisodes, pour continuer la base. So, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que dans le prochain épisode, on va faire une farm. Je pense que je vais tourner quelques épisodes d'avance, vu que le premier, je vais sûrement boire comme un trou, je vais sûrement être plutôt bourré. Comme vous dites les Français, je vais être plutôt sous quoi. Donc je pense pas que je vais être capable de faire une vidéo. Enfin, je vais être hangover en tabarnak, comme on peut dire chez nous. So, je pense pas que je vais être capable de faire la vidéo le 2 non plus. So, je pense peut-être faire une vidéo rapidement le 2. Et rajouter le commentaire du jour à la fin de la... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est ça que je vais faire. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée ou pas? Dis oui dans le chat, dis non dans le chat sinon. Ouais. Oh damn! Tu veux parler cette fois-ci là. Ça réveille. Ok, elle est super timide ma petite Audrey les amis. Faut pas faut l'apprivoiser dans le bon sens du poil, si vous voyez ce que je veux dire. Faut vraiment y aller précocement. Ça se dit-tu? Avec précaution, excusez. Pour pas qu'un jour elle dise bon, je vais plus parler là, vous voyez. Faut faire attention. Par exemple, tu donnerais-tu de la stompe qui était trop, s'il te plaît? Derrière toi. Ouais. Bah j'en ai pas beaucoup là. C'est tout ce que t'as récupéré sur mes affaires. Ouais. T'as pas juste 9 stones? Non, j'ai 6. Attends, là je l'aime là avec mes touches. Pourquoi tu me trolls là? J'ai un peu fait. Mais où tout le reste? Ah, t'as là, en bas peut-être? Ah ouais là. Attends, je vais récupérer toute la stone. Ah c'est ça je pensais. Il y en a plein en bas. Y'en a-tu d'autres encore? Ah ben je suis full anyway. Ah fuck, tu peux-tu me taper à toi? Fais-moi. Baby, you're born this way. Le gars dit tu rec. Il se connecte, il te demande si je rec. Oui ma poule. Boum badaboum badaboum badabim. Dédié à toi mon pote. Soit je disais on va faire genre la base aujourd'hui, on va essayer de commencer les choses, vous montrer les plans et un peu les murs, qu'est-ce qu'on va faire. On va commencer un champ peut-être quelque part.
Je pense peut-être faire un champ à la, en bas là, faire la base un peu plus dans le milieu du chunk qu'on a miné. Puis voilà. Celui-là, il est rendu quasiment 2h du matin. Ouais, là, ça passe vite le temps, Chris. C'est fucking long en vrai à miner. Hein. Quand tu réfléchis, là, c'est fucking ennuyant aussi. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est ça. Ouais, je suis fatigué. Tu m'as donné ton baillement, genre. T'as baillé, là. Fuck you. Ouais, je disais, en gros, qu'on va faire sûrement un champ. Je sais pas qu'est-ce qui rapporte le mieux dans le stash shop. Vite fait, on peut vite regarder. Dans le shop de farm, je crois que c'est la canne à sucre. Parce que t'en as 32, tu peux la vendre pour 50. Ouais, ça doit être la canne à sucre le mieux. On va checker ça. Essayer de faire ça. Oh shit, j'allais tomber encore. Essayer de faire ça. Ça devrait être bon. Pourquoi ça part de là? J'ai fait une grosse connerie. Je sais pas pourquoi tous les blocs ont despawn. C'est chelou. C'est... Ben c'est en gros c'est juste... Non, c'est normal. Enfin, il y a des clear lags sur le serveur genre. C'est pour pas que... En gros les items ils spawnent pour pas qu'il y ait de lag, tu comprends? Sauf que je comprends pas pourquoi... Pourquoi on n'avait pas autant dans nos inventaires, mais genre mon inventaire m'a été plein de dirt. Ça. Voilà. Tu veux-tu boucher les trous? Boucher les trous de... Ben check, il y a plein de trous. Puis je sais que t'aimes pas les trous, ça. Tiens. So là, on va faire... Oh shit. Ça, je vais faire, mais bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, non, ça c'est pas une bonne idée. Ok, fait que je vais faire le plancher, je vais, comme j'ai dit, je vais préparer un petit champ ou petit quelque chose, puis on va se retrouver tout de suite après quand je suis prêt à finir le champ tout de suite, les amis. Ok, j'ai un petit peu de stone les amis, j'avais plus de stone. Celui-là j'ai miné ici pour avoir un peu de stone. Celui-là, faudrait boucher en le fond un peu pour pas se faire péter. Easy peasy. Puis après ça, on va claim aussi, vous allez voir, ça va être cool. So, est-ce qu'on peut faire ça là-dedans? Ouais. So, un épisode avec beaucoup de Cooper les amis, je sais que vous aimez pas trop ça, mais bon. Le but c'est de créer la base et puis je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça ben, que je montre quand je crée des bases et tout. So, voilà. Aujourd'hui vous savez comment faire une bonne base disons. Avant je faisais pas des bases comme ça, là j'ai décidé de faire des bases comme ça parce que je pense que c'est les bases les plus difficiles à piller. Enfin, tout est pillable dans Minecraft si vous saviez pas les amis. Mais je pense que c'est une des plus difficiles. Enfin, la façon dont moi je vais la faire. Après je sais qu'il y en a beaucoup d'autres façons mais les autres façons sont beaucoup simples. So, voilà. Moi celle que je fais c'est quand même assez hardcore à piller. Enfin, c'est possible, je dis pas que c'est pas possible, mais je connais pas de faille à cette base-là encore, à part si quelqu'un me trahit à l'intérieur, mais bon, comme je l'ai dit, il y aura personne, so, je pense pas qu'on va se faire trahir, mais bon. Là, je fais pas de couche ici, en dessous, je remplis pas, parce que ben même s'ils cassent, ben ça sert à rien, regarde, ils vont être coincés, genre comme ça, ben ils pourront use bug puis remonter, so, de façon ou d'une autre, ça sert à rien. So, on va boucher ce trou-là par un bloc de redstone. Voilà. So maintenant, comme je vous avais dit, il faut monter de X blocs. So, moi j'utilise des blocs de vide parce que c'est les blocs les plus simples à casser. So, il faut monter de environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je suis à 20 blocs à peu près ici, right? Et on doit s'écarter à 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 divisé en 2, ça fait 7. Ouais. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça donne à peu près ça le milieu normalement. Non. Je pense que j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, 14 parce que j'ai gardé les deux murs de chaque côté.
J'ai gardé un mur de chaque côté. So, ça fait 15, 16 de chaque mur, vous voyez. Parce que regarde, ici, je suis encore dans mon claim. Vous voyez? Ici, je suis plus dans mon claim, vous voyez? Ça, c'est pour ça. J'essaie juste de vous l'expliquer comme ça, vous savez pourquoi. So, 14 ici. C'est 14 ici. Right? So, à partir d'ici, on va mettre sur le 14e bloc de l'obsidienne. En fait, on va juste faire ça. 1, 2, 3, 4. Oh shit, j'ai pété le beacon. C'est ce que j'étais fait. Wow. 1, 2, 3, 4. Ici, comme ça. Comme ceci. Puis là, on va juste faire genre ça. 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 Voilà. 2, 3, 4. Voilà. On va le faire à 4 de diamètre de chaque côté. Comme ça, qu'est-ce qui arrive en fait, c'est que c'est beaucoup plus simple pour moi. J'ai plus d'espace en fait. Fuck, je suis bien épais. Je pouvais juste arrêter là. Voilà. Je vais pas perdre cette obsidienne là parce que j'en ai pas beaucoup. En plus, on peut en revenir. Donc voilà. Ok, so. 1, 2, 3, 4, 7. Ça va me faire une petite boîte, les amis, mais c'est juste pour mettre 2-3 coffres et bien protéger. C'est la même chose de ce côté-là. Hop là, pourquoi je l'ai mis ça là? Ok, comme ça. Je suis occupé à faire les mathématiques. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Tu peux enlever le beacon, c'est bon. On n'a plus besoin. So, là, après ça, on va faire un genre de boîte ici. Mais la boîte va monter jusqu'à 20 de hauteur. Non, 10 je crois. C'est ça que là, à l'intérieur, il y aura des coffres, mais vous allez voir. Ça, c'est juste pour protéger, dans le fond, quelque chose de sécuritaire, vous allez voir. So, pendant qu'elle, elle casse ça, moi, je vais casser les blocs de vite. Et puis, on va se retrouver, dans le fond, tout de suite après pour... ben, en fait, il y a quelqu'un de l'obsidienne. Je vais essayer de demander s'il y a quelqu'un qui a de l'obsidienne, si je vais le réacheter, genre, ou essayer de faire un échange. Je pense pas que j'ai beaucoup d'argent. Ah, j'ai 100 pièces. Damn! Putain, game mode! Tricheuse! Je sais, mais Chris, j'étais pas pour t'ordonner cette affaire-là. Je sais, je te niaise, c'est correct, là, pleure pas. Oh shit, je vais casser ces blocs-là. Ok, si je casse tout ça, on se retrouve après. Yo, what's up, gens d'internet? On se reprend pour le commentaire du jour et puis un peu l'avancement vite fait. So, oui, merci, t'avais compris, Audrey. So, en gros, on se retrouve pour l'avancement un peu vite fait. J'en ai fait pas mal en off, en fait, les amis. J'ai eu un don de Anthony Base. En fait, je filmais. Vous pouvez demander à Audrey, mais mon rec a planté. Parce que, bon, je filme en full tab, puis ça crache des fois. Si vous savez comment bien, pour pas que ce frappe se crache, je veux bien savoir. So, en gros, je l'ai peut-être pas montré, mais en gros, ouais, on va faire ici des échelles. Et chaque étage aura des coffres, des trappes de chest, des coffres, des trappes de chest. Et puis chaque étage comprendra quelque chose. Par exemple, le premier étage des armures, etc. Et puis voilà. So, Anthony m'a donné de l'obsidienne avec un pantalon P4 et 5 blocs de diamants. Et puis, l'autre, c'était QWERTY, QC, qui m'a donné aussi 3 stacks d'obsidienne, je crois, ou 3,5. 3 plus 32, je crois. Donc voilà. So, j'ai eu 5 stacks d'obsidienne pour finir ma base. Ça l'a vachement aidé. Gros merci à eux. En fait, QWERTY, je crois que vous l'avez vu dans la vidéo, je crois. Je pense que je l'ai mis. Est-ce qu'il y avait crash avant QWERTY? Je suis pas sûr. Ah, je sais pas. Mais s'il est pas là, ben merci à toi. Si je t'avais déjà dit merci, ben encore merci. Et puis voilà. So, je voulais finir avec le commentaire du jour qui vient de la part de Flambeur. Il dit, tu as de la chance d'être heureux. So, mon ami Flambeur, j'ai choisi ce commentaire-là pas parce que ça a le rapport avec la vidéo ou quoi que ce soit. Ou juste quoi que vous voyez ce que je veux dire. J'ai choisi ce commentaire-là parce que je vais choisir des commentaires autant random qui posent des questions ou quoi que ce soit. Puis je crois que j'avais quelque chose à dire à propos de ça. Donc, je veux dire, peut-être que vous êtes peut-être pas heureux dans ce moment ou que, tu sais, il y a personne qui vous pensez que personne vous aime. Mais moi, je vais toujours vous aimer, les amis. Puis imaginez-vous, il y aura toujours quelqu'un dans le monde qui va vous aimer quelque part. Peu importe, n'importe où, quelque part dans le monde, ben, il y a toujours quelqu'un qui va vous aimer. Et puis, tu sais, si vous êtes pas heureux en ce moment, ben, dites-vous que c'est juste une mauvaise passe. Puis que
gardez la tête haute, puis à un moment donné, ben, vous allez sortir de cette passe-là, puis vous allez sortir encore plus fort, et vous allez revenir avec le sourire aux lèvres, et puis c'est vraiment le plus important. J'espère que mes vidéos, au moins, vous font rendre heureux, vous font sourire. Je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui... que ça va pas bien dans leur vie, ben, je suis avec vous, si vous voulez en parler ou quoi que ce soit, ben, je serai toujours là, j'ai un grand cœur, comme on dit, les amis, donc, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez venir me parler de tout ça, je vais vous écouter, je vais vous répondre avec attention sur Skype ou sur Twitter, vraiment plus sur Twitter, ce sera plus simple pour moi. Puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Donc Flambeur, tu me diras le kit que tu veux si tu joues sur le serveur. Et puis, par la même occasion, j'ai envie de t'offrir un grade VIP à vie, mon pote, parce que voilà, tu m'as fait des sentiments. Tu m'as fait chialer presque, frère. Je vais te donner un grade VIP à vie, si tu me diras ton pseudo en jeu dans la prochaine vidéo. Et puis, je te donnerai ton kit dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on va mettre ça dans notre essai. Donc si vous saviez pas, le essai qui est gratuit pour tout le monde d'ailleurs, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, prochain épisode, on va faire les murailles de la base, et puis on va aussi commencer un champ en dessous, ça risque d'être intéressant. Revenez demain les amis, je vous aime, c'était Icon, la Pikachu de l'internet. Encore merci à Audrey d'être là dans la vidéo. Bisous mes amis.